On s'est fait piéger par la marmaille. Il faut qu'on parte d'ici. Comment les enfants ont pu nous cacher que la maison était vendue? Y a quelqu'un! Baisse-toi! L'appareil a fondu. Et on dirait que vous êtes entrée ici par effraction. Bonjour, mademoiselle. Mais qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Vous les voyez aussi, les cochons? Eh, hey, les deux folles. Vous ne pouvez pas être là. Race, est-ce que t'as entendu quelque chose? Ouais, seulement un disque rayé. Il s'est évanoui. Robert, désolé, j'ai rien trouvé de mieux. Il faut le mettre sur le canapé. Tu vas bien? Salut. Je crois que c'est un cauchemar freudien, avec un invité très très spécial. Maman, nous récupérons notre maison. Qu'est-ce que vous ferez si vous tombez? Ou si l'une de vous a une attaque? Va te faire foutre! Je veux redevenir celle que j'étais avant. Brute, intransigeante, dangereuse... J'en ai ras-le-bol de toujours avoir à te sortir d'affaires. Alors pourquoi tu ne veux pas comprendre que je suis à la recherche de quelque chose? Tu n'arrives même pas à retrouver tes lunettes quand elles sont sur ta tête. Qui aurait cru que cette nouvelle vie allait être tellement dure? Et ça, c'est exactement ce qu'ils veulent, nous faire douter l'une de l'autre. Ouais, fais attention, Robert, parce que tu es le suivant. C'est vrai, ton cœur est maintenant un vrai cheeseburger. Je t'avais dit de pas répondre. Est-ce que Sol t'a déjà dit que tu ne pouvais pas manger ceci? Ce tableau-là, c'est le pire cauchemar de Sol. Oh, Sol, on s'en fout. Oh, mon Dieu. Délicieux, hein? J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Ok, si tu veux te comporter comme une adolescente... Ou bien peut-être que j'ai juste décidé de me comporter comme une femme mûre qui décide de vivre selon ses propres règles. Vous auriez pu aller beaucoup plus vite, non? Je pense avoir mérité le droit de prendre mon putain de temps. Ça, c'est ma Grace.